De retour. Ah oui, mais j'étais mispeaking, on rappelle pas. Ok. Ah oui. Je vais essayer de relancer. En attendant, je peux. Alors, j'ai déjà fait ça. Je vois rien. On se connecte à la radio, même si on entend rien. Et on se connecte à Team Spin. Pas de soucis. Demolition Derby. Voilà. J'ai trop souvent ça d'ailleurs, de recevoir une étiquette. Central, on se dirige vers le Old School Garage pour réparer les véhicules pour qu'ils soient prêts pour le Demolition Derby. 66 requêtes de service en temps de dispatch. Eh bien, le bonjour. C'est reçu, stand-by une petite minute. Bien reçu. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle des chaises, c'est bien aussi pour Veuillez réitérer s'asseoir. matricule, s'il vous plaît. Oula, c'est. Tu résonnes. 66. À quoi ça résonne? Oui, j'ai l'impression que tu parles dans un bocal anchois. Est-ce que vous pouvez vous mettre en attente de dispatch sur le dispatch parce Ah bon. que nous ne comprenons pas votre matricule? Ok. Attends. C'est C'est 66! 66. Ah, c'est 66. Les 66 sont pas te récupérer de centrale. Il parle Parle dans un dans un bocal bocal en anchois, choix, c'est c'est pour pour ça. ça. Il parle Apprends dans que un je le Graal. disais bien aussi. Il n'y a toujours pas là, c'est le bocal anchois toujours. Après, moi j'aime bien les anchois, donc ça me dérange pas. Ouais, maintenant en fait, je vois tout. Je vais tenter de remédier ça. Bah, bonne chance. Donc en fait, non, le problème, c'est vraiment la prise USB qui est derrière. Alors là, la mission, ça va être de trouver quelque chose à dégager, quelque chose dont je ne me sers pas. Par exemple, alors je me sers, c'est la manette, je m'en sers, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est très bizarre, on vient de m'appeler, mais je pouvais pas décrocher. Allô? Hé! Ma gueule! Alors, attendez ça. Le Bah non. On a toujours l'impression qu'il y a un petit bocal en choix quand même. C'est quoi là, le problème, papa? Ah, c'est ça? Non, c'est la souris. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le micro. Là, tu m'entends mieux, pas du tout. Pas vraiment. Hein? Et maintenant. Toujours pas. Ok. Bon, bah, je vais rebrancher le casque derrière, hein. Le casque, le micro. Alors, ce que ça donne?
Et maintenant? Et toujours pas. Non. Essaye de redémarrer les cordes vocales, je sais pas. Ouais. Je ne vois que ça, hein. Si je sais ce que je fais aussi, on va faire ça. L'impression que c'est pareil sur le stream. L'impression d'être très loin. Alors, si je fais ça. Elle est là. Non, on n'entend plus du tout. Ouais. Qu'est-ce que je fais moi? Non, pas ça que je vais faire. Et si je reviens dessus? Alors, on entend mieux, mais c'est. Oui. Peut-être mieux là déjà. Est-ce qu'on entend mieux là? Ah bah oui, ça va beaucoup mieux. Voyons voir. Eh bien, bonjour. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Ah bah voilà. Mais c'est Oh, mieux. j'ai Attends, trouvé le problème. faut qu'on fasse un test. Ok. Oui, d'accord. Test concluant, ok, c'est J'ai le choix entre rejeter ou rejeter. bon. Oui, et je pense qu'il faut prévenir. Ouais. Je dirais qu'il y a un pétasse aussi. Faut prévenir, oui, faut prévenir les hautes instances. Les techniciens. Ah oui, parce que moi je veux bien rejeter ton appel, hein, Oui. mais répondre, j'aimerais bien aussi. Voilà. Donc, du coup, ils auraient. Alors. Je suis. Enfin, c'est une hypothèse, hein. Oui, je suis sceptique sur l'utilité de juste tirer pour vous crever un pneu, Bah ouais, mais c'est bizarre mais quand même. c'est fortement probable que ce soit ça. J'ai pas eu le début de l'histoire, mais. Bah, le début de l'histoire, c'est qu'il y a eu un coup de feu tiré à la coopérative dans l'après-midi. On n'a rien trouvé, et plus tard, le monsieur qui était à la coopérative tout le long, quand on était là-bas, il avait retrouvé sa moto par terre, il savait pas pourquoi. Et quand il a repris sa moto tout à l'heure, et bien il s'est rendu compte qu'il y avait un pneu de crevé. Ah oui, voilà, oui. Mais du coup, enfin, je. Oui. Après, il y a eu qu'un seul coup de feu? Oui, il n'y en a eu Un qu'un seul seul, coup ouais. de feu. Donc il en avait après la moto. Bah ouais, mais pourquoi ça genre ça, hein? C'est quoi comme moto? Carbone RS. Ou soit Ah, une balle d'accord. perdue, mais vraiment très malchanceuse. Bah ouais. Ah oui, ce serait un. Oui. Est-ce que ça s'est pas déjà vu? Un Des truc balles perdues très involontaire? malchanceuses. Ah oui, j'en ai déjà vu des oui. Pas plus loin que devant le PDP d'ailleurs. Non? Tu vois pas de quoi je parle? C'est Je te dis que pas. ça impliquait un papy et un ancien commissaire. Ah oui, si, ça me dit quelque chose, oui. Maintenant que tu le dis, oui. Niveau balle perdue, où on sait pas si elle est chanceuse ou malchanceuse. Oui.
Donc, bah ouais, faites attention à vous en tout cas. Et si bah ouais, vous voyez des choses suspectes autour, vous, n'hésitez pas à nous appeler parce que. Ouais, ça marche, pas de soucis. En tout cas, je vous ai donné l'info, donc voilà. Ok, ok. Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Je sais plus. Mais du coup, je vais noter ça. Je vais noter ça. Je vais noter ça. Quelque part, je pense que je vais faire un rapport sur ce qui s'est passé quand même. Parce que sait-on jamais. Et voilà, je peux avoir votre nom. Ouais, Enzo Rochereau. Enzo Rochereau. C'était vous qui avez envoyé le message ou pas? Non, c'était pas oui. Vous. Si c'est moi. Ok, bon bah c'est bon. Je vais faire un rapport là-dessus et si ça se reproduit, bah on verra ce qu'on peut faire. Et sinon, bah on va en... de toute façon, il faut qu'on envoie des patrouilles dans le nord maintenant. Donc, ouais, ça j'espère marche. Ça va se calmer. J'espère aussi. Après, d'ici, est-ce que... En fait, si c'est un concitoyen, ça me paraît bizarre parce qu'en général, il ne s'arrête pas à la première balle, même si elle touche le pneu. Quoi. Bah, c'est ça. C'est un concitoyen. Hein. Non, je disais, ça m'étonnerait que ce soit un concitoyen. Il n'y a qu'un seul coup de feu et que c'est sur la moto en plus. Quelqu'un qui vous en voulait vraiment à votre pneu, hein. Possible. Elle est de quelle couleur? Ah bah ouais. Elle est noire carbone. Non, donc c'est pas ça. Non, il n'y a pas de problème avec ça normalement. Non, puis en général, ils font savoir avant de tirer hein, que. Bah ouais. Oui. Elle est bien garée. Ah bah oui, franchement, oui. Oui. Ouais, bah oui, bah alors. Je n'ai personne, rien du tout. Non, franchement, c'est fait. Oui, voilà, je dirais seulement le... Ah, oups, j'ai tiré mon arme dans la main, mais... Ouais, mais ça me paraît... Ouais, ça me paraît tellement... C'est à la fois gros... À la fois improbable et tellement probable que... Oui, voilà, c'est ça. On est déconcertant. Ouais. Ouais, bah je ferai gaffe du coup. Pas vous embêter plus longtemps. En tout cas, si vous avez le moindre doute, si vous voyez des véhicules suspects et tout, n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour ça aussi. Y'a pas de soucis, je ferai ça. Voilà. Et bah parfait. Et bah merci beaucoup. Bon courage et bonne chance si vous avez un coup de fil à passer. Ouais, ça marche. Parce que vous risquez pas avoir beaucoup de réponses. Ah. On peut pas décrocher les téléphones. Ah mince. Il faut entre raccrocher ou raccrocher. Et ben en tout cas, la bonne soirée à vous. Ouais, merci, soirée, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Est-ce que par hasard, les hauts instants seraient... Enquête. Ah bah c'est bon. J'ai déjà averti que... On peut pas décrocher. C'est ça. Ah, bonjour. Viens de voir une voiture noire avec bazooka sur le capot. Quoi ? Près de ma position. De quoi ? Elle a filé en pétaradant. Il y a Nathalie de MS qui a vu une voiture avec un bazooka sur le capot au niveau de la supérette de. J'ai oublié. Hein ? Mirror Park. Un bazooka ? Un bazooka. Genre fatal non. Bazooka? À mon avis, elle a dû avoir un problème de bidon, ça peut être un bazooka sur le capot quand même. Bah. Rien ne m'étonnerait après ce que j'ai déjà vu dans cette ville. Avec un bazooka sur le capot près de ma position, elle a filé en pétaradant. Je vais l'appeler quand même pour être sûr. À 266, je prends le dernier appel, 211. Ouais, aussi. Ah merde, je suis con! Ah non, bah oui, tu peux pas appeler. En fait. Envoie un message. Oui, je vais envoyer un message. Ah mais non, mais me rappelez pas, je peux pas répondre. Ah, je vais envoyer un message. Je peux pas répondre. Pas possible. Okay. Est, non, est. Voilà.
Très chiant ça de pas pouvoir décrocher. Tu sais comment on appelle ça? Le karma. De ne pas pouvoir karma décrocher. Mais par contre, 10 et 35, ils étaient à l'autre bout de la Terre parce qu'ils sont venus me récupérer. Mais le central, on s'est rendu sur le message entreprise et ensuite on va se récupérer 66 au PTP. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. On parle de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va y... C'était assez long, pas eu le temps de voir. Ah bon, d'accord. C'est pas forcément un bazooka. C'était peut-être une pelle. Oui, c'est peut-être plus probable. Tiens, j'ai envoyé un message. Est-ce qu'elle a un descriptif du véhicule? Est-ce que c'est du coup, est-ce que ça rentre dans le cadre des véhicules armés? Oh, je pense pas, non. Message. Vous un descriptif du véhicule. À part sa couleur. Oui, je vais pas préciser ça, mais. Parce que si elle me répond, il était noir. Merci. Merci, ça m'aide beaucoup. Merci, il était. J'étais au courant. On s'en souvient. Ah, faut demander le nombre de roues. Mais non, mais ça sert à rien d'appeler, je peux pas décrocher. Y'a même pas de cheveux. Ah, regarde, je vais lui montrer que je ne peux pas décrocher. Je t'appelle. 66. Voilà, 10. Je t'appelle. Tu te rends compte que t'as le choix entre rejeter ou rejeter. Que vas-tu faire? Rejeter. Ouais, tu vas rejeter. Le turno. On peut lui dire. De 66, il y a des problèmes avec le téléphone. On ne peut pas décrocher. Le tour. Tant pis, on verra ça au PDP, c'est pas grave. Bon, ben, c'est pas grave, alors non. Du coup, je vais appeler tout mon répertoire pour emmerder le monde. C'est pas bête ça. Ah par contre oui, ah oh, ça fait du bien. Ah oh, ça fait du bien de plus avoir les petits ronds verts et rouges au-dessus des personnes dans nos contacts. Les petits ronds verts et rouges. Mmh. Oui. C'est pour dire si elles étaient en ville ou pas. Ah. Bah c'était pratique quand même. Oh non, c'était de la merde. Ouais, moi j'appelle personne. Je pourrais plus savoir si 12 est en service. Hein, quoi? Est-ce qu'on peut avoir ça, mais juste pour nos capitaines? Juste pour nos capitaines. Et de centrale, on se trouve actuellement devant le PDP 66. Allez, Zou... oui, mais en fin de compte, tu vas prendre ton service? Oui, je pense, oui. Ah, c'est dommage, ça. Allez, allez. Bisous. Ah bah, je vais les prévenir alors. Ouais. Eh bien le bonsoir, bonjour. Bien. Bonsoir. Bonjour. Bah, il y a vraiment au final qui prend son service, donc je vais partir avec lui, je pense. Ah, ok. Yes, nickel. Et aussi, sinon, vous avez vu pour le bazooka? Oui. J'étais parti voir, mais il y avait personne. D'accord. Et... Ah ouais, fin d'investigation là. On a vu, elle a du confort avec une PL. Hein. Ouais, possible aussi, ouais. Je lui ai demandé si elle était sûre que c'était un bazooka, elle m'a dit. C'était assez long, pas eu le temps de voir. Bon, après, je lui ai demandé s'il y avait un descriptif du véhicule, plus qu'un véhicule noir. Et pas cool. Ouais. Bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Tu pourras regarder tes mails quand t'as 5 secondes. Attends, je vais voir ça. Because je n'ai plus la possibilité. J'ai perdu la possibilité de déposer des extraits de casier. De déposer. On peut plus les mettre dans le drive en fait. Là je l'ai pris, je l'ai édité, je l'ai donné au monsieur, mais je peux pas le mettre dans le drive quoi. Oh non, bah t'as pas besoin de le mettre dans le drive. Ah si. Ah pourquoi pas si. Normalement quand on en fait un, on le met dans le drive, non? Ah non, j'ai pas. Non. Non, moi je le file au gars et puis. Ah puis c'est tout. Le strict casier, moi on m'a dit de faire une capture d'écran, c'est tout, hein. On va vraiment pas loin du tout. Ouais, moi je fais un copier-coller de toutes les infractions, je le mets dans le. Bah moi je lui envoie le doc quoi en fait. Voir. Enfin. Ah oui, ça vient de l'ouvrir si je veux le voir quand même. Ce fichier. Non, je veux pas. Ah, bon, allez. C'est le... Oh, le... Oui. D'accord. Bon, bah non, je le regarderai pas.
Non, tu peux, mais tu verras pas l'image. Tu peux l'ouvrir avec, avec WordPad. Ouais, Bon, on y go, nous. Allez, bah, on y go, nous. Allez, bonne soirée. On fasse une demande de subvention là pour les tuyaux de fumée parce que. D'ailleurs, est-ce que je fais mon chien ou pas? Pourquoi? Ah, parce que c'est des 35 au volant. Ils sont en Buffalo. Bah, et alors? Bah, l'officier. Ah merde, c'est officier supérieur? Ou sergent? Je sais plus. C'est sergent, enfin, à partir de sergent ou officier sub de la Shark. Ah, mais est-ce que. Est-ce que s'il y a un officier supérieur dedans, c'est bon? Bah, non. Justement. Ah, c'est forcément le conducteur. Je vais demander à 55 s'il veut qu'on soit sûr ou pas. Ah, bah, dites. Respecter le règlement, moi. Bah, ouais, je suis d'avis aussi. Du coup, c'est licenciement direct? Exactement. 55, petite question. Oui. Est-ce que je dois être sûr ce soir ou pas? De quoi? Est-ce que je dois être sûr ce soir ou pas? Ça dépend pourquoi. Bah, il y a 35 et 10 qui sont en Buffalo, mais c'est 35 qui conduit. Ah! Je sais pas trop, il faisait nuit. D'accord, bon, bah c'est bien. Voilà la destruction de mon véhicule. Je sais pas trop, il faisait nuit. Merveilleux. Un témoin crédible. Donc son bazooka, à mon avis, elle a dû rêver. Hein. Mais... C'est vrai que ça commence à être compliqué de... Mais... Je vois le bazooka sur le capot, mais je vois pas du tout que ressemble la voiture. Dans le doute, on peut contrôler toutes les voitures de la ville. Hein. On peut contrôler toutes les voitures qui ont un bazooka, mais je pense que ça, c'est prévu, ça. Oui. C'est déjà dans l'ordre des choses. Donc, alors? Qu'en penses-tu? Hein? Non, j'ai dit, qu'en penses-tu? Ah oui, faut faire chier, oui. Mais après, moi, tu me demandes ça, mais tu sais très bien que ma réponse, ça sera toujours oui. C'est vrai. On va se mettre en Delta 1. Alors... Voilà. On va faire chier de façon téléphonique. Parce qu'il y a certainement 12 et 49 qui écoutent, j'ai pas non plus envie de les mettre dans la sauce. Hein. Oui, ils peuvent pas répondre. Merde. 66 pour centrale. Transmettez 66. Deux petites choses. Déjà, vous n'avez pas mis la plaque de votre véhicule sur le dispatch. Et deuxième petite question, qu'est-ce qui conduit? Et Afi, désolé. De façon subtile. Et bim. Par contre, j'ai peu de réponse à la deuxième question. Buffalo 1. De 66, étant donné que vous êtes en Buffalo, le 35 ne peut pas prendre le volant. C'est difficile de le dire, de façon gentille. C'est tout ça, il y avait un truc qui venait que je voulais venir de faire, mais je sais plus quoi. Ça, c'est apparu et pouf! C'est corrigé. C'est parti. Ah! Vente de drogue, c'est parti. Et on y va? Bon, bah, bonne paperasse. Hein. Et, oui. Il y a des chaises, c'est mieux quand même. Si on vous propose une crémette, vous dites non. Ah bon, bah alors attends. Qu'est-ce que je vois là-bas? Est-ce que c'est une personne qui veut partir en patrouille? Patientons encore un petit peu. Il a dit quoi là, une crémette? Aucune idée de ce que c'est. Est-ce que je dois avoir l'audace de chercher sur Google là? Oh, tu peux, oui. Ah non, je crains le pire. 55. Non. C'est pas son genre. Qu'est-ce que c'est de connerie? De centrale. On aurait besoin d'une information sur le Demolition Derby et vérification de la position de celui-ci. Aucune idée. Ah, c'est peut-être au. L'aérodrome, non? C'est pas écrit dans. Dans le marketplace.
Il cherche quoi? Il cherche le Demotion Derby? De centrale, oui. En espérant une réponse cette fois. Est-ce que le Demotion Derby se trouve bien derrière le casino? De 66, je pense que oui. Bon, regarde, j'en ai aucune idée. Merci beaucoup. Si c'est au même endroit que la dernière fois, oui, sans quoi, bah... Mais à part du Lagoon et du Kashkar, j'ai pas de pub pour le Demolition. On va aller voir sur les... Surprise. Bah, faut regarder sur le... Ouais, pour le journal, là. On s'en fout. Dès le Demolition Derby. Le Demolition Derby, rien, le dynamique, premier, blablabla... Non, ça nous aide pas. Il n'y a pas écrit lieu dans le journal? Voilà, je regardais juste dans le news, mais on va regarder, ouais. Ça a l'air de se marier, 55. Je suis en train d'emmerder le monde avec 31, c'est marrant. D'accord. Prise de service en attente de dispatch. Ah bah voilà. C'est reçu le central, stand-by, une petite minute. Delta, nous sommes actuellement PDP, on peut se transformer en tank aussi, il faut. C'est reçu, Delta 1, prenez donc 23, vous devenez Tango 1. Il n'y a pas le lieu sur le... Mais c'est à l'hippodrome. Oui, oui, non. Mais il n'y a pas le lieu. Oui, mais c'est toujours à l'hippodrome. Oui, mais le mec qui a fait l'affiche est très intelligent quand même. Bah oui, mais c'est toujours à l'hippodrome. Et rebonjour. Non, il n'est pas au sein. De 23. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont dit? 1, 2, Tango 1, répétez le call. J'ai rien compris. Là, je souhaitais savoir si le call était reçu de 23 et de temps et de Delta. Pardon. Un AFI. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de répondre, oui. Ouais, bon, en même temps, vu que j'avais rien compris de ce que j'avais dit. Oui, bah moi non plus. C'est grave que ni le journaliste, ni le mec qui a fait l'affiche, ni les organisateurs se sont dit on va mettre le lieu. Bah, parce que c'est toujours au même endroit. Bah oui, non, mais... Tu vois, oui, c'est un peu comme si... Mais si les mecs, ils arrivent en ville, ils savent pas où c'est, faut mettre le lieu. Comme si les EMS, ils disaient, ils se mettaient à faire des dons du sang. Bah, on sait que c'est aux EMS, non? Et puis, on peut pas préciser qu'il faut aller... Ça pourrait être partout, ça pourrait être au commissariat. Oui, ils pourraient faire des patrouilles de dons du sang, ce serait pas bête. Ça pourrait être... Ou au café, comme ça, du sang plein d'alcool et de sucre. Ah, le sang, faut aller le chercher là où il est. Hein. Exactement. Mais non, c'est des gens qui viennent le donner. Oui, bah, pour aller chercher les gens aussi. Ah non, tu leur demandes de venir. Ah oui, mais justement. Et dans ce cas-là, si tu dois aller les chercher, c'est à eux de t'envoyer une position, logiquement. Oui, non, mais on va dans les lieux publics. Ils vont là, rien, je peux t'envoyer ma position, je suis assis. Ah, moi, si je serais MS, c'est ce que je ferais, hein. Je ferais des trucs dans tous les lieux publics pour essayer de choper un maximum de son. Des campagnes de dons du sang un peu partout, ce serait pas bête. Directement en entreprise. Je crois qu'ils ont pas beaucoup d'employés là. Les EMS ? Ouais. Je crois que j'ai vu à 10 en randonnion. Il y a eu des départs là. Ouais, départ à la retraite, les mecs ils ont 25 ans. Ouais, t'as plein pas, je vais prendre la mienne à 18, je sais pas. Ah ouais, putain, ça a changé la retraite, hein. Voilà. Ouais. J'aimerais bien. Je suis toujours le plus jeune du PDP, d'ailleurs. Bah, il y a des chances, 18 ans. Oh, le bébé. T'as que 18 ans. Eh oui. Ah là là. Eh oui, j'ai mis. Ah, dans une grande partie des États-Unis, vous pourriez même pas boire une bière. 18 ans déjà, sergent. On s'en fout, on est pas aux États-Unis. Bah oui, non, mais c'est marrant. J'ai pris ma première cuite à 4 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah d'accord, super. Super. 4 ans, c'est un peu vieux. Hein. Là, ça m'a fait perdre mon Tetris. La petite pinte de bière au biberon Non, c'était les fruits du punch. Comme ça, les fruits du punch. Bah, quand tu fais un punch, il y a les fruits. Oh putain. Oui, et mes parents ont laissé les fruits traîner. Ah oui, les fruits, c'est bon. Mais hein. Moi, je suis passé derrière, j'ai vu des fruits, j'étais gamin, j'étais content. Miam. Ah bah, j'étais frais après. Ah oui, t'as vu te gaver, oui. Ah non, moi c'était plus radical, c'était les fonds de verre. Hein. C'est ça ta première clip, toi, les fonds de verre. Ah oh, bah oui. Ah ouais. Ah, c'est bête. Oula. Ça, c'est les fonds de verre, ça. Ouais, ça, c'est les fonds de verre, ouais. Il a pas apprécié les fonds de verre. On va se calmer, hop là. Désolé.
Bon, bah, il m'a fait perdre ma partie de Tetris, super. Bah, bah super. Non, bah, super. J'ai le nez tendu, j'ai une dent moins. Tu repars sur du Tetris maintenant, t'es plus 2048. Non, en fait, le 2048, je le fais quand il se passe vraiment rien, tu sais rien du tout. Mais j'arrive pas à y jouer au 2048, moi. J'ai jamais compris la stratégie du 2048. Hein. Moi, je sais faire des très bons starters et après je hint. Je ne comprends pas le but du jeu, en fait. Bah, faut stacker des. Pas à y jouer, moi. Oui, mais juste appuyer aléatoirement sur votre clavier, ça fait pareil. Hein. Bah, c'est exactement ça. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir le plus gros nombre possible. Ouais, mais je comprends pas comment. Oui, mais j'arrive pas à faire le plus gros nombre possible, justement. Je vois pas quels sont mes moyens d'action en fait. Bah pareil, voilà. Bah avec les flèches et tu stack. Oui, mais ça change rien que je vais à gauche ou à droite. Non, mais ça fait de la merde. Bah si, ça se stack vers la droite ou vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. En fait, si on va à droite, il y a tout qui se déplace vers la droite. Si on va à gauche, il y a tout qui se déplace vers la gauche. Donc il faut faire en sorte que. Oui, bah c'est pas un vrai 2048. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre le principe de comment on gagne quoi. Bah tu gagnes pas. Alors non, plus loin possible, c'est comme le Tetris. Ah oui, non, ça par contre, oui, non, il n'y a aucune perspective de gagner au 2048. Mais oui, c'est vrai que moi non plus, j'arrive pas à comprendre le concept de ce jeu. J'arrive pas à y jouer. Alors, sur le Tetris, j'ai compris, faut pas dépasser la ligne. C'est pas dur. Hein. Je sais qu'il faut faire le plus gros nombre, mais j'y arrive pas. C'est-à-dire, j'y arrive pas. Ça fait de la merde. Oui, mais ça, c'est parce que tu connais pas. C'est tout. Ça veut pas bouger. Quand tu peux pas bouger les cases, bah, elle bouge plus, c'est normal. Oui, mais je trouve que, en fait, il y a aucune logique, je trouve, dans comment elle bouge. C'est que de la logique. Bah justement, non, moi je trouve pas. Non. Quand tu appuies dans une direction, toutes les cases qui peuvent se déplacer se déplacent dans cette direction. Et une nouvelle case, un nouveau 2 apparaît aléatoirement. Un 2 ou un 4, il me semble. Ça peut être un 4 qui apparaît. Non, c'est qu'un 2. C'est qu'un 2 ? Ouais, alors je suis pas allé celui-là pour qu'il y ait des 4 qui apparaissent, mais pour moi c'est que des 2. Du coup, un nouveau 2 apparaît quelque part sur la truc. Et voilà. Et du coup, bah, faut que tu fasses tes stacks comme ça de numéros, de puissance de 2. Oui, bah oui, mais bon, c'est pas comme ça normalement en 2048. Ouais, mais si je ferme les yeux et que j'appuie sur les flèches, ça revient en même. Normalement en 2048, on clique sur ce qu'on veut stacker, pas juste tout simplement. Ah non, comment ça, qu'est-ce qu'il raconte ? Aller vers la droite ou je ne sais quoi. Ah non, ça a toujours été vers la droite en bas ou à gauche ou à droite, au moment. Et bah, pas sur ceux que j'ai joués, voilà. Ah bah, t'as pas joué au 2048. Ah oui, c'est ça. Moi aussi, je peux te dire que moi, le 2048, chez moi, il joue avec une raquette et des balles, et puis voilà. Hein, mais... Oui, non, ça, c'est du tennis. Non. Non, c'est du 2048. Mais on juge pas les jeux des autres, hein. D'abord. Bon, mon père, il était charron. Bon, là, j'ai perdu. 1376, là, j'ai perdu, c'est bien. Ah oui, non, là, c'est. Oui. Mais comment. Non, pas possible. Attendez. 2048, où qu'il est, il est là. Pour l'instant, le point de départ, c'est très simple. Tu fais que du blablabla, jusqu'à avoir des 16 tout en bas, puis des 8, puis des 4, puis les 2. Et après, tu balances tout sur la droite. Bam. Et tu recommences. Ah ouais, c'est si simple que ça. Mais du coup, il n'y a plus aucune strat. Au début, c'est pour faire les starters les plus rapides. Et là, maintenant, je mets le 2 tout en haut, je balance tout à droite. Ça fait des 16, je descends tout en bas, 568. Et puis je déplace de gauche à droite pour stacker les numéros. Non, oui, y a rien de compliqué à comprendre. Oui, bah c'est de la merde, voilà. Et après, faut réussir à stacker pour pas te bloquer ton board. Oh, ça m'arrive bien, je suis déjà à 1400. Ça marche pas bien. Bah, je fais deux fois en bas, deux fois à droite et je fais ça en boucle, ça marche bien. Oui, c'est une strat, mais tu seras bloqué à un moment. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est... J'ai une bonne strat pour apprendre à jouer au début. J'ai fait 2040. Donc, le 8 et j'ai gagné. Alors oui, non. Le 2048, c'est que tes nombres dans tes petites cases atteignent 2048. Ah merde. Pas avoir mais sinon, il n'y a pas de fin en soi. Ah non, il n'y a pas de fin. Pas de fin. Bah, sauf vous savez, moi, ce que je voudrais... Bah si, il y a une fin. Possible. On sait ce que je voudrais comme jeu, moi. À la fin, c'est quand t'as perdu, quoi. Ah, Sudoku, c'est trop bien. En fait, il y a une fin si t'arrives à remplir tout ton truc avec... Je fais la partie parfaite. Je sais pas combien c'est de points, la partie parfaite. Je sais pas. À 2048, non ? Non. Non, parce que je suis à 2792, là. Mmh.
Bon, ah bah tiens, ça m'a tendu là, vos histoires de 2040. Peut-être ça allait arrêter ces dealers de drogue. Alors, facilement tendu. Hein. Tu vas aller à la Goliath. Ah non, pas vraiment, spécialement non. Ouais, tu vas aller où du coup? Bah, plutôt la Shark, oui. La Shark ouais. Oh. Ah. Ouais, non, mais moi ça m'intéresse pas les Sharks. Oh là là. Je vais pas faire broum broum. Bah non, il sait pas conduire. C'est pas que je sais pas conduire, c'est que je peux pas conduire. Ah oui, c'est vrai, oui. Un autre problème. Entre vouloir et pouvoir. Écoute, disons que si Nathalie était au LSPD, est-ce que tu la mettrais dans une Shark? Non. Non pas. Voilà. Donc maintenant, elle est là, la différence entre vouloir et pouvoir, tu vois. Non, tu vois, si jamais on a le Camacho, je la mettrais dans le Camacho, par contre. Ça ah, par contre, oui, si elle a la petite patrouille, moi, je viens faire des pits. Ouais, ça pourrait être extraordinaire. Mmh, ouais. Oh là là, ouais, Nathalie dans la petite patrouille. Par contre, le nom pas de patrouille, il est réservé. Hein. Donc ce sera pit patrouille, hein, vraiment. On pourrait pas appeler ça la patte patrouille. Patte patrouille, c'est le truc avec les chiens, non? Tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle la pite patrouille. J'ai pas hâte de voir ces trucs-là. De quoi? La pite patrouille? Ça va être trop bien, la pite patrouille. Franchement, moi, quand on va annoncer, on sort la pite patrouille, je vais être heureux. Déjà qu'il y a des agents qui demandent si on peut foncer dans les motos. Putain. Quoi, on peut foncer dans les motos? Trop bien. Je t'avoue que, ouais, ils ont plus tendance à me foncer dedans. Allez. Bah maintenant ils sont chauds parce qu'ils sont à plusieurs sur la CP, ce qui fait que t'as le deuxième qui est juste là pour te faire chier. Ouais bah tu fais un grand coup, puis ils rentrent dans le pare-brise et puis paf. Hein. Sauf que ouais. Moi, tu fais hop, vous êtes en état d'arrestation pour entrave à la justice. Mmh. En travers de la route. Manque de les écraser mais ils ont pas peur. Hein. Bah je te rappelle qu'ils nous ont pit avec un camion citerne quand même. Oui. Bah, je crois qu'on a un nouveau venu donc au final on... ah bah non ah il y a trop de cadets je crois là non comment ça oui bah central il peut le prendre au pire oh, oui, bah, je vois pas ce que vous voulez dire bah, pourquoi on a trop de cadets je bah, pense que c'est pas fini j'ai déjà deux cadets avec moi donc je peux pas en prendre un troisième c'est pas possible to use you, bon, enfin techniquement j'ai deux cadets avec moi mais c'est encore oui. Tu peux leur faire faire des questions si tu veux. Après, on peut faire des formations, hein. Formation Tetris, formation 2048. Ouais, des questions, oui. On peut faire la formation engagée à un contrôle routier. Vous êtes tous fait, vous, là, la ah formation. Et je vous montre en 5 secondes pourquoi la formation qu'on a actuellement elle est dangereuse. Ah, bah, allez-y. Attends, de quelle formation tu parles là? La formation engagée à un contrôle routier. Oui, vas-y, ça m'intéresse. Je leur montre en 3 secondes pourquoi elle est dangereuse. Allez, venez. Je suis pas sûr de l'avoir faite celle-là, moi. Pour venez. Que... c'est dans la formation procédure. Ah oui, bah ah si, c'était l'ancien commissaire qui me l'avait faite. Vous allez voir, c'est magnifique. En 2 secondes, je vous montre pourquoi. On va juste jouer à un jeu pour pas vous mettre en danger. Vous allez penser que mon taser est un 9mm, d'accord? On va faire du jeu de rôle, trop bien. Voilà. Moi, je suis spectateur. Oh, c'est armé. Mais en cadet. Fait... Oh là là. En fait. C'est quoi ce véhicule? Ouais, c'est ça, Novak. Bah, c'est un truc de vieux, là. Novak. Tiens, on va lui sortir une petite bien, Buffalo. Non, tant qu'à faire. Okay, attention! Sortez une. Buff et mettez-vous en situation pour me faire un contrôle. Hop là. Allez, à vous de jouer. Faites le contrôle. Moi, en attendant, je suis qu'un simple spectateur. Allez, imaginez! Ici. Vous montez dans votre voiture, vous venez, je viens de m'arrêter sur le côté de la route. Vous m'entendez? Oui, c'est ma fille. Ouais. Allez, vous montez dans le véhicule et vous faites comme si vous m'aviez arrêté pour un excès de vitesse et je viens de m'arrêter sur le bord de la route. Ok. Donc allez-y, vous montez dans la voiture et vous faites ce qui est marqué dans la procédure. Mais en fait, dans tous les cas, ça va pas. Ah bah, je sais pas, allez-y. Parce que si te demande de descendre, bah oui, tu le vis. Je suis chouette. Mais si tu restes dans le véhicule, t'as juste à redémarrer et tu le barres. En gros, tu dois lui demander de descendre du véhicule. Ouais. Ça me paraît logique, ouais. Bah, oui. Là, tu bah vas-y, de fais-le. Du véhicule. Non, Speedy, vous descendez du véhicule, s'il vous plaît. Hop. Oui, bah toi, oui. T'es mort. Ah, oui, voilà. Bah oui.
Voilà. C'est vrai que c'est très con. Jean-François, on devrait descendre en premier. François, faut demander de couper le moteur. Alors, et c'est vous qui descendez en premier. Couper le moteur, on descend. On refait, et descend, on refait le jeu de rôle. Enfin, c'est en fait, voilà. Ouais, mais c'est dans la procédure, c'est marqué à l'inverse. Je veux refaire le jeu de rôle. Je veux refaire le jeu de rôle. Vas-y, vas-y, vas-y. Pousse-toi. Et allons-y. Attends, descends de la voiture. Qui sort avant qu'il sorte, moi, je connais pas. Qui c'est, moi? Bah oui, toi. C'est moi que je conduis là pour la procédure. Vas-y. Allez, nouvelle mise en situation. Alors attends, tu as coupé le moteur ou pas? Oui, j'ai coupé le moteur. Là, là, il a mis. Allez, on recommence. Allez. C'est ce qu'il dit, coupez le moteur, s'il vous plaît. Ah, oui, d'accord. Oui, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et maintenant? Mais je descends. Ok. Ah, bah non, pas quand même. On s'en va. Bah, ça me paraît plus logique. Hein. Non, mais tu sors pas l'arme en main quand même. Bah, si. Bah, non. Bah, si je sors pas l'arme en main, je suis une cible facile. Ouais, mais en fait, si tu vois qu'il descend sans que tu l'aies dit, tu vois directement s'il a l'arme et t'as le temps de la sortir avant qu'il ait le temps de descendre et sortir de l'arme. Non, s'il descend avec l'arme, il me pointe directement, je peux pas la sortir. Hein. Si, 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 t'as le temps. Mais en fait, tu descends pas l'arme en main parce que si c'est juste un contrôle. Parce que c'est vrai que c'est très con, mais j'ai toujours fait l'inverse moi. Je suis toujours descendu avant le conducteur, c'est logique. Ce qui est embêtant, c'est que jamais. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune bonne façon. Parce que si tu descends. Enfin, si tu lui demandes de descendre avant, il peut te pointer. Bah oui. Si tu lui demandes de. Si tu descends avant, bah il peut se barrer. Parce que normalement, c'est mettre le volant. Non, en fait, c'est le. Tu leur demandes ça. Le passager descend, le conducteur reste en truc. Et après, ouais, c'est le passager qui vient ici. Alors, tu te mets vraiment ici, en fait. Tu te mets pas au niveau de la porte, tu te mets un peu derrière. Comme ça, un, c'est assez inconfortable pour lui de te regarder. Et deux, bah tu vois, tu peux regarder comme ça, s'il a une arme, etc., tu vois tout. Et là, tu lui dis, voilà, est-ce que vous pouvez descendre du véhicule? Hop, il descend, tu le ramènes sur le côté, et une fois qu'il est descendu, le conducteur du véhicule descend et vient discuter. Ouais, après, s'il n'y a qu'une seule personne dans le véhicule, tu peux faire toute la procédure sans le faire descendre du véhicule, tu peux juste parler avec lui, machin, tu lui dis, donnez-moi les papiers du véhicule, votre carte d'identité. Et ouais, s'ils sont plusieurs, le deuxième, quand il vient, il se met ici, à l'arrière. Hop, il surveille les alentours, il vérifie la plaque du véhicule, il peut vérifier le propriétaire du véhicule pendant qu'il est en train de discuter, et il donne les infos à son collègue. Il dit le véhicule appartient à machin, à la plaque machin, il regarde si le véhicule est recensé, pendant ce temps-là l'autre fait la discussion. Et s'il y a d'autres personnes après, une fois que le deuxième a fait ça, il commence à aller discuter avec les autres pour les occuper et pas qu'il fasse chier le monde. C'est des exercices qu'il faut faire et il faudra commencer à faire dans tous les cas. Je vais demander à ce point. Dans tous les cas, ça me paraît donc bon. Quand on retient, ça se réveille. Oui. Sur pas du tout, bien sûr. Ah non, j'étais mes 10 ans, ils sont sur son nichoir. Ah putain, bon. Et le Pearl, c'est toujours pas ouvert. Ah bon, mais avec le derby, il va pas être ouvert. Hein. Ah oui, putain, c'est assez chiant ça. Et c'est vrai qu'il y a des suctions ce soir. Peut-être se mettre en patrouille. Ah, juste que t'annonces cette prise de service pour que Central Une te récupère. Ben là, je vais aller finir à manger déjà. Ah oui, je peux aller... pas mal, c'est pour ça que je suis dans le bureau pour l'instant. Et puis nous, on va prendre l'intercepteur ici présent, on va y aller. Allez, let's go. Ok. Qui voulait de la shark? Eh, c'est moi, oui. Ah bah vas-y, tu conduis. Allez, ça fait longtemps. Hop là, et la ceinture. 23, c'est ça? Oui. C'est plus dans ma liste, je suis pas sûr. Je sais pas, j'avais dû te le dire pourtant, mais... C'est bon, que dans ma liste. Attends, après j'en ai un. Oui, d'accord, les deux autres, c'est un moment que j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est que le point là qu'il y a là? Je sais pas. Le point qu'il y a là, voyons voir. Super et demi-heure, enfin approximativement. Ah oui, non, c'est rien, c'était le message 911. Ah d'accord. Donc là on est parti? Dirigé vers le nord, ouais, et un début de patrouille. 54, c'est depuis le 11 octobre, donc il y a plus d'un mois qu'il n'est pas. Est-ce que le garage est ouvert? Ah oui, tiens. Ça, normalement, oui. On va peut-être y aller quand même.
C'est à quelle heure l'événement hein? Là, non. C'est pas 21h, un truc comme ça? Ouais, comme ça. Mmh. C'est peut-être marqué ça. Je sens qu'il va y avoir plus personne après. Ah, 28h, bah oui, c'est bien ça. C'est pour ça. Ouais. Il y a un photo. Oh oui, pardon. J'étais dans ma tête. 37, m'a envoyé un massage. De 55, 10 000 balles à celui qui chope le vol de véhicule devant chez moi. Ah bah super. Alors, C'est légal de faire ça? Bah c'est un don d'argent, c'est... On va se diriger vers le haut. Ah sinon je me dénonce hein. Je suis sûr qu'ils ont piqué le véhicule de mes voisins. C'est combien la récompense cette nuit? 10 000 balles. Non, là tu veux 77 172. Je veux pas être coupable. C'est moi, je veux la récompense. Il ne fallait pas 77 172 bah, écoute, ça te tombe bien, la bande, elle est 10 000 balles. Alors, alors maintenant il me reste 72 222. Ah oui. Oui, ça, il y a eu des salaires entre temps, oui. Oui, oui. Donc si on rajoute les 10 000, eh ben, ça fait qu'il me manque plus que 60 000. De, 62 222. Voilà. Bon, par contre, il faut compter l'amende pour vol. L'amende pour vol, ça nous fait du. Allez, ils sont gentils, 3 000 $. Donc, là, je suis gagnant de 7 000 $. Oui, c'est, par contre, c'est bien. Par contre, après, je vais en prison militaire. Ah oui. Mais non, c'est rien, la prison militaire. Oui, oui. C'est... Vous avez déjà vu quelqu'un qui y va? Oui. Ah. La seule fois où j'y étais, c'était pour faire le team building. Ah oui? Non, j'y suis allé deux fois. La première fois, parce que. Ah, mais sérieux, elle veut pas aller à 130 la bagnole? Normalement, si. Faut juste accélérer. Bah oui, mais je suis pied plancher là. Ah ouais. Ah, alors on a dû prendre la voiture la plus esquintée au monde là. Hein oui, bah, c'est pour ça que peu, on va aller à l'OSG. Parce que là, oui, tu peux pas faire d'excès de vitesse même si tu le mets en fait. Bah non, non, je peux pas. Non. Ok. Ah, c'est cette voiture là qu'il faut donner aux cadets. Bah, vous êtes des cadets. Ah bah, oui, c'est vrai. C'est pour ça, oui. Ah oui, putain, je suis con, c'est les Buffalo qui roulent. Oui. Bah oui. Ah oui, mais du coup, c'est normal que ça avance pas. Oui, non, mais là non. Là, mais oui, non, mais là, c'est pire quand même. Ah 130, non, c'est abusé. La dernière fois, je l'ai roulée, elle était neuve, nickel. Je t'ai passé pas 130. Hein. Oh, le taxi est ouvert. On ira plus vite. Ah, magnifique. Ah, par contre, les taxis normalement, vite, hein. On arrive quand même à monter à 160, 170 à peu près quand même. Oui, oui, c'est ça, oui. J'essaye de la pousser un peu là. 170 avec ça. Ah en oui, descente, c'est... 151, c'est pas terrible, hein. Ah oui, non. Je suis vraiment pas sûr, 170. On va se calmer quand même un peu, mais... Ok, moi, je suis sûr. Si, si, 170, ah, si, large. Ah, vraiment, mais qu'elle soit super neuve sortie alors, d'usine, non. Quoi. En fait, t'arrives ouais, à les descendre. C'est juste que ça te prend une demi-heure, mais t'arrives à les oui, voilà, c'est ça. Ah ouais. Mais alors là, pied plancher, c'est compliqué. Ah, attendez, est-ce que ça va parler de bazooka, là? Je viens de payer l'amende de tout à l'heure, c'est Ernest Morse. Ok, cool, on a vu, oui. Ah, oui. Non mais comme ça, je vais regarder sur le panel, parce qu'il a peut-être pas... Il a peut-être été enregistré comme non payé. Je vais modifier pour dire ah oui. Payé. Parce que sur la notif, on voit pas qui a payé. Non, non, on voit juste qu'il y a une amende qui a été payée, mais... Ah oui, d'accord. Le 66, là, faut faire un nouveau Excel, là, pour les amendes, maintenant. Bah pas besoin, il y a le panel. Voilà, il y a le panel. Bah, mais le panel, il est un peu à chier, hein. Oh non, ça va, j'aime bien. Non. Merde, mais c'est pas du tout là l'OSG. Bah oui, pourquoi ouh, là nous. Pourquoi je vais non, là... mais c'est à droite après. Ah non, non je te raconte, on est où là? Mais non, c'est totalement ouais, pas là. Et dans le direction Sandy. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, j'étais tenté de le faire parce que ce qui est chiant, c'est qu'on doit marquer l'heure à la main pour les récidistes comme ça. Mmh. Alors que j'ai un moyen de éventuellement juste en rentrant le nom et. Le DVD, bah, savoir s'il en réside ou pas. Je suis sûr que ce serait plus fluide qu'avec Excel. Certainement, oui, oui. Mais le truc, c'est que là, sur le panel, t'as tout. Il y a tout, mais bon, chaque page, jamais 20 minutes à charger. Ah, ça, c'est vrai que oui, c'est un peu long à charger, oui. Mais ça, mais ça marche bien. Des trucs, elles marchent pas, bon. Pas non, terrible. Moi, la seule chose que je reproche au panel, c'est quand on veut mettre des nouvelles amendes ou trucs comme oui. ça. Oui, ah, c'est pénible.
Oh là là. C'est insupportable de trouver le citoyen. On est obligé de spam la première lettre. En même demi-heure à trouver la personne. Le statut, on sait jamais quoi mettre, il n'y a pas de choix, enfin, il y a plein de trucs chez nous. Il y a du monde ici. Oui, tout à fait. Un peu là, on va essayer de bien se garer. Il y a un club là. Ouais. Il n'y a rien là. On est, on... Non, à gauche, il y a une club. Mais j'ai cru non, j'ai vu ça. Ok, parfait. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Merde, j'arrive pas à glisser le cul. Bon, voyons, faut pas zandiner comme ça. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui crie quand il parle. Ah, c'est pas moi. Ah non, moi je. Sûrement nous. Bon, il a envoyé Henri Daniel venir me parler en me disant faut que tu changes la couleur de ton taureau, sinon derrière, machin. Je lui ai dit bon, non. Mais pourquoi il est noir ? Ouais, mais eux c'est noir à bande blanche, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais vous, recensé noir à bande blanche non, en fait. Non, mais en fait, c'est juste par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure qu'elle te. Oh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce oui, que bon. Pas plus tard qu'hier, ils disaient qu'ils en avaient rien à foutre, au contraire, ça les arrangeait. Que les gens aient des véhicules noirs. Ah, bah oui, c'est sûr. Oui, bah ouais, ah, non, c'est peut-être les. Peut-être les tricksters qui ont dit ça. Je sais plus. Ah, je crois que la dernière fois, ouais, il affichait une meuf qui avait un véhicule blanc. Oui, je me rappelle, c'était en plus où t'étais garé. Fais attention non, parce que t'habilles en noir et blanc aussi. Hein. Mais non, c'était bien. Ah bah oui. Quel dommage. La couleur chère, c'est réservé, faites gaffe. Hein. Attends, y a pas une chemise à bande blanche. T'as oublié ta chemise. Et nous aussi, on est en noir et blanc, tiens. Oh merde. Ah merde. Ah bah mince alors. Ouais, merde. C'est fou ça. Hein. Ah oui, c'est fou, oui. Et après, t'enterres, on est à chercher une chemise à bande blanche. Ah oh, putain. Du pantalon blanc à bande noire. Ah oui, faut que ça va, oui, hein, par contre. Ouais. mais moi, je vais me faire emmerder. De toute façon, je suis toujours en noir et rouge. Voilà. Voilà. Ok, en noir et rouge, personne. Les motards. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Et mes motos, pareil, elles sont noires et rouges. Hein. Ah oui, moi aussi. Oh, mais oui. Dis donc, c'est la flash GTD tout à l'heure qui est passée noire, non ? Pour mon moto, c'est ça qu'on a raté tout à l'heure. C'est ce que j'ai raté tout à l'heure, c'est elle. La moto, elle est noire, rouge et blanc. Le véhicule qui est à gauche en train de se faire cuistot, c'est celui que j'ai pite sans faire exprès. Ah, mais elle a tout de suite plus de gueule comme ça. Je vais le dire bonjour. Bonsoir. Il est tout de suite plus joli comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, la flash JT aussi. Yo. Le pare-choc avant. De quoi, la flash JT ? Bah, elle a tout de suite plus de gueule comme ça. Puis en marron caca. Ah, ouais, clairement. Bon, écoutez, je vais vous laisser dans votre custo. Ok, nickel. Bonne soirée à vous. Au revoir, petit taurus. Hein ? Hein ? Non, je disais au revoir, petit taurus. Ok. On va de machine d'armée, nous. On va okay. Des machines. Patrouiller peut-être à côté, hein. Qu'il n'y ait pas de débordement, non ? Oh, on va choper tous les mecs qui portent en excès de vitesse, hein. On nous a pas demandé de se viser, donc je pense qu'il y a la Cirrus. Ah oui. Je vais me mettre sur la Demolition Derby, sur la piste et. Ah, je t'ai flashé ! Il est con. Vous êtes en état d'arrestation pour excès de vitesse. Aïe, aïe. Voilà, tout à l'heure. Allez, à plus les gars. Par contre, à chaque voiture qui passe, je dois réinitialiser le radar, c'est un peu chiant ça. Bah t'as un bon plan, non ? Tu places derrière le Demolition Derby, on flash tout le monde. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que si on se gare assez proche, on peut les flasher sur la piste ? Non, mais non, sur la piste, ils ont le droit de rouler vite. Carrément, ça serait drôle quand même. Voir combien ils roulent sur la piste. Oui, ce serait quand même rigolo. Après, ce qui serait drôle, c'est qu'on s'incruse dans la course, vite fait. Ouais, alors avec l'interceptor, on a aucune chance. Ah, oui. Moi je serais les organisateurs, j'aurais demandé à ce qu'une voiture passe. Hein. Ça serait drôle. Hein. Je pense qu'il doit y avoir la Cirrus sur place. Bah, je pense, c'est un peu leur métier. On nous a volé notre voiture. Non, ils la réparent, je pense. Oui. Mais c'est bien, ils nous ont pris en priorité, dis donc. Ah, bah ça, j'apprécie. Que, parce qu'on est en priorité, c'est pour ça. Mais bah, c'est pas toujours le cas. Hein. Même quasiment jamais, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui inspecte ça. Hein. Pareil. Oh bah non, moi, chaque fois quand j'arrive, alors à moins qu'il soit déjà en train de commencer à réparer, forcément c'est plus embêtant, mais merde. Bon, elle a chez elle.
Et bonsoir, comment allez-vous? Et bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, ça va bien. Est-ce que je pourrais avoir le matricule, s'il vous plaît? 23. Et super, merci. Bonne soirée. Et allez, la bonne soirée, bon courage. La bonne soirée, monsieur. Soirée, vous allez bien. Hop, là, on va pas écraser monsieur. Bah ouais, ce serait dommage quand même. Ah, le monsieur là-bas il est mal garé, il faut lui mettre une petite amende. Ouais, attends. Ah, où ça? Non, j'ai cru qu'il y en avait un qui était garé devant la banque. C'est interdit. Ah bon? Eh oui. Pas droit de se faire. Vous faites comment quand vous voulez retirer de l'argent? Bah, on se garde sur un parking. Pas devant la banque. Bah, il y a un parking devant la banque. Oui, mais les places devant la banque, il n'y a pas où se garer. Ah bon? On se garde autour. Et si on repartait dans la lecture du. Vous lisez encore le. Bah, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas fini, en fait, je n'ai pas continué. Parce qu'on a commencé ce matin, il devait être 11h et. Oui, bah. Et voilà, toute la journée, vous ne l'avez pas lu? Non, pas du tout. Ouais. J'ai encore l'anglais qui est ouvert. Hein. Bah, j'avais encore l'anglais, mais j'ai fermé. Ouf. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est pas passé. 15, ça me fait vite. On sait que ça passerait. Bah, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai... Moi non plus. Bon. Ah, attendez, hop, je me pose 2 secondes là, faut que je me lave les oreilles, moi. Ah, ouais. Pas par TPH. Bah, il a dit que t'es soumis par TPH, ouais. Ah oui, bah non, c'est pas possible vu que ça marche pas. Du coup, par SMS plutôt. Oui, oui, oui. Non, pénal, oui. Non, c'était même pas ça en plus. N'importe quoi. Un peu loin. J'ai lu ça presque, je regarde. De quoi? Vous voulez le lien? Bon, non, t'inquiète pas, je le retrouve facilement. Ça presse, pas. Et nouveau code de procédure. Oula, attention! Ouf! Ah oui! Ah oui! Où en étions-nous? Non, non, je. Mal à la tête. Un décor. Oui. Donc ça. Tout dossier de contestation d'une condamnation sera étudié. Ça, on s'en fout, on l'a déjà lu. Ça, le développe annulé. Oui, on l'a déjà lu. Toute peine ou accusation émise. En dehors du code pénal, ça, oui, ça aussi. Toutes les décisions doivent être prises en rapport Oula. Avec le document. Oui. Eh, hey, on est d'accord. Hein. J'ai vu une dinguerie sur l'autre voie, mais bon, tout va bien. D'accord. Il va falloir que j'aille acheter des nouilles dans une supérette aussi, moi, tiens. Ouais. Mais bah, attends, remarque. Il y a peut-être le Pearl au Demolition Derby. Hein. Peut-être qu'ils font des ventes là-bas. Ah, je sais pas. C'est que c'est Demolition Derby. Niveau 2. Là. Là, là. Ah. Out. Ok. En lanceur, je pense que c'est ça.
t'avais pas reconnu, c'était c'est William qui m'a dit. Génial. Ok. Ah bah c'était pas que moi en fait. Ah bah non. Compliqué oui. Je crois que c'est le démo de la chaîne Derby. 66 oui. Retour radio. Derby sans tempête, est-ce pas illogique? Retour radio. Et 20 retour radio. Et 23 retour radio. Ah, on a juste entendu le retour oui, radio. Oui, la radio a bugué. Reçu. J'ai l'impression que la radio a colle. Ah oui. Elle joue la voiture. Et 23 retour radio. Ah, c'est bon. Question. allez, on rentre à pied. Allez. Les taxis sont ouverts, non? Non, mais attendez, il y a de la vente de drogue juste à côté, là, on y va à pied. 55 retour radio. Où ça, juste à côté? Bah, juste avant, attendez, route 68 là. Oui, mais on a pas de voiture donc c'est quand même compliqué. Bah. Taxi? Alors, tu vois route 68 toi? Parce que moi, c'est Great Ocean au niveau de la Pacific. Ah, non, maintenant je le vois plus, c'était avant. Mais c'était tout loupé. C'est sur la Great Ocean aussi, moi. Allons au PDP Nord et puis reprenons le véhicule de fourrier. Je te laisse aller récupérer le véhicule si tu veux, je vais rester en surveillance du coup. Jamais été au PDP Nord encore moi. Oh! Voyez-les. Elle partait pas son. C'est un peu loin non? Ah oui. Ouais, c'est un peu loin quand même. Oui, mais c'est toujours moins loin que le PDP Sud. Attendez, on peut essayer de prendre un taxi en attendant en même temps. Je pense que les taxis ont eu les mêmes soucis que nous, donc s'ils doivent récupérer leur véhicule aussi, ça va être compliqué. Après, on peut aller en trottinant aussi. Ah oui, mais j'ai peut-être vite manqué de bouffe, moi. Ah, je peux vous enfiler s'il faut. Ouais. Oui, ce serait pas de refus, oui. Il m'en reste 5. Attendez, bougez pas. Moi, bah, j'en ai plus du tout là. J'en mets deux tchèques là. Mais vous aussi, vous en voulez un peu? Ah non, c'est bon, j'en ai encore 5. Ouais, ça c'est sympa. Ça. Ah, ça va, moi j'ai le stock. Bon, allez, petite foulée. Allez, c'est parti. Je sais absolument pas où c'est. Toujours tout droit. Nickel. On prend à droite. À 2:35, retour radio. Reçu. Oui, si je me trompe pas, je vais te laisser au pire aller récupérer le véhicule et je reste en sécu. Je m'en prie. Et là, on va tout droit.
Je vais te rattraper, je vais te rattraper. Oh le malandrin. Attends, je crois qu'on a semé. Oh, oh non. Mais. C'est bon. Allez, j'ai l'impression que vous courez plus de que moi. Bah, faut reprendre ton souffle un peu de temps en temps, oui. Faut le souffle, oui. Bah, je vais te rattraper, malandrin. Ça me. Malandrin. Ça me. Le couple. Ah putain, on va à la même vitesse, c'est impossible. Sauf quand t'as le taser, ça tire à distance. Donc il suffit de se rapprocher et piouf. C'est là-bas, oui. Oui. Aïe. Attention au train. Regarde, il n'y en a pas. Voiture, il n'y a pas de voiture. J'en peux plus. Ouais. Ah putain. Oh, j'espère qu'on a des douches ici. Y'en a. Ah putain, je suis tourné, tiens. Alors, déjà, est-ce qu'elle est en fourrière? Je pense que oui. Ah, pour c'est qu'on a des véhicules. Oui. On a une Buffalo. Y'a un scout. Et y'a deux intercepteurs, je crois. Et voilà. 62 XY. Ah bah merde, en plus bravo, on avait même pas mis notre voiture dans le dispatch, tiens. Fantastique. Ah, petite flagellation à nous là. Et bah de toute façon, le Tango assis central ami vient de le mettre. Ah, donc ils ont la 62 XY. Okay. Oui, ils ont la Buffalo. Ils ont la Buffalo. 33 IDH. Elle est dans les véhicules à réparer. Ouais, mais en fait, non, je vais pas tous les sortir ici. Ah, on va se prendre un scout au pire. 02. Ouais, jamais conduit de scout, tiens. Ouais, mais il a réparé, donc on va pas prendre celui-là. Ah, oui, compliqué, oui. Ah, oui, non, bah en fait, si, on n'a pas le choix. Oui, j'ai réalisé que on n'avait pas le garage commun, donc on est obligé de récupérer soit. Ah, il y a deux Buffalo maintenant. Tango 1 pour Central, c'est bien la Buffalo 1 que vous avez. Oui, mais du coup, avec la tempête, elle est partie à la fourrière. Bien reçu, vous avez pris donc une autre Buffalo? Ah, si. Ok, parfait. Et bah. Deux, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il n'y a pas de bêtises? Non, il n'y a pas de bêtises. Est-ce qu'on se récupère leur Buffalo le temps de redescendre en PDP Sud? On peut faire ça, hein. Ouais. Oula, oui, bah d'accord, ok. Ah oui. Elle est en putain d'état, leur Buffalo. Ah, elle est en très très bon état, oui. Oh, si ça roule, c'est bon. 250 dollars. Marrant, on dirait que les pneus ils sont gelés. Ouais. Ça va. On va aller au mécano, on va la réparer, puis on va redescendre. Et allez, olé. Un autre véhicule dessus. Ah bah super. Ah, oui, c'est vrai. Non, j'ai rien fait. Non, c'est pas moi. C'est quand même terrible que la télécommande de la porte elle met Giro. Ouais. Ah oui, oui, je sais pas ce qu'ils ont fait à la pauvre Buffalo, mais elle a pris. Oula. Ouais, bah, roulez tranquille hein. Ouais, j'ai vu une dinguerie là donc. Mais ouais. Comment oulala, ah on oui vole. D'accord, oui. Pourquoi on vole? Ah non, on vole pas. Ah non, mais roulez tranquillement. Mais tout doux. Non, je crois que ça souffle, c'est pour ça.
Je crois aussi, oui. J'essaie de sortir mon téléphone. Ah, je vais mettre la ceinture. Hein. J'essaie aussi. Ah merde, ah, si j'ai mis la ceinture, c'est bon. Ah, mon téléphone reste collé dans ma poche. Est-ce que je vais vraiment partir sur un que ça? Ou est-ce que je retourne au PDP? Je pense qu'il est peut-être sage d'aller au PD. Ouais. Ah, allez. Ouah, la caddie vient d'apparaître. Allez. Mais je crois qu'on l'a perdu. Ah, hein. Ah oui, oula, oui. Ah oui, on a perdu quelqu'un, oui. Oui, bon, je pense qu'on va se mettre dans la salle de repos du PDP. Oui, hein. Ce sera bien, et puis on va regarder la démolition d'abri. Oh, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai réussi à la voir. Ah, ouais. Et bon, on va ranger la Buffalo ici, puis on va se. Allez, allez, bien regarder sûr. Regarder le derby. Exactement, oui. Il savait bien s'ouvrir. Ça, c'est pas encore gagné. Ah oui, j'ouvre. C'est ce que je craignais. Ah, mon téléphone s'est fermé. Ouh, ça s'ouvre. Oui, go. Et on va ranger la voiture ici parce que je veux pas redépenser 250 balles. Sachant que j'ai plus un rond. Hop, il est. Oh bah non. Tu es parti dans le garage? Ah non, t'es là. Ah oui, d'accord. Oui, c'est original. Ah, c'est mieux. Alors. Ah bon, bah, je pense que je vais stopper le stream et puis on se dit à demain ou éventuellement si le Demolition Derby se termine, je referai peut-être le stream plus tard. Au revoir tout le monde et à demain.